Mais tu connais pas des mots, mais on a tout ce qu'il nous faut. Calcium, vitamine. Ah, j'en fais déjà au moins 40 normal. Oh, l'escroc. C'est easy ça. Je pense que je l'ai fait mal là. Faut pas lever les pieds. Hein. Cette semaine, vous avez pris plaisir avec la nouvelle tactique de jeu là. On va refaire pareil. On va essayer de prendre plaisir aussi. On est là pour ça. Hein. On va surtout éviter de faire la même merde qu'on a fait l'année dernière. En démarrant le championnat, on va faire tout l'inverse. On va essayer de démarrer par des victoires, ce serait pas trop mal. On va avoir un peu d'ambition dans le championnat, on verra bien. Puis bah après, bah, vous savez très bien, je n'ai pas grand chose à faire. Vous savez ce que vous avez à faire. Comme j'ai dit si bien l'année dernière, c'est bon. Ah, ok, ça casse, il y en a un qui se met là-bas par contre. Et Marc, il arrête de jouer. Non, mais j'ai dit que c'est toi en tôle. Bah, en tôle, hein. Tu commences à mettre des entre deux. C'est toi qui commence à s'appeler. C'est qui était rapide? Moi. Ouais, non, faites un chiffre million. Hein. Moi, j'ai le droit de voter ou pas? Moi, je dis Vincent. Moi, je dis Vincent. Merci. Ah ouais, en fait, il joue pas, c'est bien. Vous mettez par ce soir. Échauffement par 3, tout le temps en mouvement. Après alternance de jeu court, jeu long, en ligne droite, un au milieu et un sur chaque côté. On fait la passe, on remet et puis on va devoir de l'autre côté, ainsi de suite. Après, il va y avoir cet atelier-là qui va nous faire les trois quarts de l'entraînement. C'est pour travailler le placement défensif, mais quand on travaille la relance, et le placement défensif quand les attaquants ont le ballon. Le déplacement que vous aurez droit de faire, c'est le déplacement que la zone qui a le côté en commun. Déplacement en diagonale, les défenseurs, vous n'avez pas droit. Donc le défenseur qui est là, il a droit à cette zone-là, et la zone qui est juste après là-bas, pas plus. D'accord? Le défenseur qui est là, il a droit à la zone qui est là, la zone qui est là, et la zone qui est là, pas plus. Aucun déplacement dans les carrés en diagonale. Ok? Donc le but du jeu de ça, en fait, c'est que... Le but du jeu de ça, c'est que, par exemple, si le latéral, il est monté là-bas, là, il est monté au pressing. Si on reprend le schéma qu'on avait expliqué il y a 15 jours, le latéral qui est là, il se décale dans ce carré-là, le central, il se décale là, et le 6 vient décaler là, pour que toutes les zones soient occupées. D'accord? C'est exactement le schéma que je vous ai fait sur le tableau la dernière fois. Sauf que là, on le met en place avec vraiment des zones pour que vous vous repériez vraiment, en fait. Ok? C'est bon pour tout le monde? Contre vous, donc là du coup vous serez 6 défenseurs avec le milieu, il y aura 5 attaquants. Les attaquants, c'est déplacement libre, ils font ce qu'ils veulent, sauf qu'ils doivent faire le pressing, récupérer le ballon et marquer. Vous, vous devez avancer en faisant stop ballon après la ligne bleue, entre la bleue et la blanche. C'est bon pour vous? Ça c'est le travail de relance. Après, donc là, le ballon part du gardien. Dès que le ballon sort, on ne joue plus, retour au gardien, on repart de là. Okay. Et après, on fera exactement la même chose, sauf que le ballon partira des attaquants. Okay. Donc là, ça sera vraiment le placement défensif et non plus le travail de relance. Malgré que vous l'aurez en voulant faire, en devant faire stop ballon. C'est bon pour tout le monde? Non, il reste chacun dans sa zone. Il reste chacun dans leur zone. Les deux latéraux, de toute façon, ils ont droit d'aller. Ils sont dans cette zone-là, ils ont droit d'aller là. Et là, donc ça veut dire que offensivement vous occupez toutes les zones normalement. Voilà. C'est bon. Et on fait du petit jeu à la fin. Normalement on devrait faire 40-45 minutes ce truc-là. 20 et 20.
Ça va être un petit peu chiant, je sais, mais il faut qu'on y passe pour que tout le monde ait bien compris le truc. Surtout pour le dimanche. C'est bon ? Allez, c'est parti, vous mettez par 3. Problems from my past, we trying to patch it up. Nah, fuck it, rather double down and back it up. You might catch me acting out. Everyone was looking for the quickest way to eat. I was digging all my seeds, now I pick it from my trees. I don't have no fake ingredients, it's really what you see. Ready to mob, ready to be, standing outside in 100 degrees, yelling, open up. I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captain battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell the people push up. Open up, I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, kept the battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell them, what's the resolution? Might need retribution. I'ma always bounce back like a Wilson evolution. Where's the execution? Need direct solutions. People looking like they're doing shit's the best illusion. Why you keep on doing that? Seen them get the slightest of attention. True intentions have them moving like a sewer rat. We are not pursuing that. I don't need a view to stats. I focus on the bigger pick. Now you won't catch me moving flat. Have myself a season. It's evident I'm eating. I cooked it all myself. It's like barbecue Korean. Always rep the Northeast, but I had to switch the region. Grew up living in the cold weather. Don't you know that I'm freezing? Please open up. I'm right outside. You know what's up. It's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck. Captain battle showing up. Why you talking? You don't know enough. I pull up at the door and tell the open up. I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, kept the battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell them, tell them, tell them. Mais Nassim, il te la renvoie à toi là. Hop, oh, calme-toi, Théo. On va faire des miracles à shoot. On va essayer. Je suis chaud mec, chaud bouillon. Ah ouais? Ouais. Tu vas voir. C'est calculé tout ça. Vas-y, on voit oh, ça. Putain. Hein. La botte s'est tirée. Il a même pas couru. C'était tire quel muscle, Bopiette, t'as pas de muscle. Oh c'est Jolly Jumper de dimanche, la nénette là-bas. Avec ses petites bottes. Bopiette, t'as pas couru, pourquoi tu t'étires? Là il a boudeuse. Genre un bénin, il fait la boudeuse. Eh ma batte, par contre quand elle pas la foule, ne pas tirer pas. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kicked. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave you topless. It get crazy right here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I had prayed for these blessings. Took my L's and turned them to lessons. I go take it, I'm not in the begging. If I'm breaking bread, it's only with the brethren. I need the top, cause that's where I'm heading. Yeah. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Yeah, ooh. I'm moving faster than lightning. I can't close on my eyes, too excited. It's the fruit of what you get for trying. Don't be selling no more, I'm just buying. I got two of everything that you eyeing. Put my boots on and turn to a giant. This is fact and no fictional writing. If I want to, I go right in the hiding. Que penses-tu de ce système, Hicham? Ouais, c'est bien, après faut, faut pratiquer, hein. C'est pas simple. Quand t'as dur, pas de repère. Hein. Non, mais comment quand t'as pas l'habitude de jouer ce système-là. Travaille, Marquis. C'est un peu compliqué. Continue, chat. Slow it down, girl, you're moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wanted it asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me. Nobody did it like this, so they wanted it asking me.
about to slow it down, cause you're too fast for me. Et je vous l'ai dit jeudi à l'entraînement, l'important du 3-5-2, c'est la communication surtout derrière et au milieu de terrain. Surtout derrière et au milieu de terrain, donc communiquez entre vous les gars. C'est que ce soit pas à Bouze, parce qu'on connaît ses grandes qualités de communicant Bouze, que ce soit pas à lui de nous dire sur le terrain repositionnez-vous, malgré qu'il doit le faire. Donc je vais vous refaire le schéma que je vous ai fait la dernière fois qu'on a travaillé jeudi. On essaye au maximum. Ah, regardez les dessins en même temps que vous changez. Le tableau, tu vois. Si, c'est parce que c'est là que ça se passe, je suis trop petit. T'as vu qu'on met les bottes, non? T'as vu? Être face, c'est encore plus beau. Laissez bien tout l'espace des couloirs Adamo Cereda. Essayez de pas trop empiéter dessus. Sauf en phase défensive. Reda, je répète. Je te répète ce que j'ai déjà dit et ce qu'on a vu sur la vidéo. À la mi-temps, toi, tu dois intervenir sur le latéral. Pendant le temps de passe que le ballon il lui arrive en fait. Là tu avances sur lui. Là, tant que le ballon il l'a pas, tu le laisses tranquille, on s'en fout, il est pas dangereux. Dès que le ballon va vers lui, là tu t'avances. Et là du coup Marquis ou Guêpe, il décale sur l'ailier. Et du coup, soit Vincent ou Mamat aujourd'hui si j'ai bien entendu, et bah, eux ils décalent dans l'axe à la place du latéral. Par contre, donc ça c'est le travail défensif. Sur le travail offensif. Et ça, on l'a vu de plus en plus mercredi soir, avec les, jeudi soir, avec les zones que j'ai fait sur le terrain. Si le ballon, il est là, là, Reda, tu prends le couloir, comme ça, Marceau ou Marquis ou Guêpe, ils jouent long sur toi. Et si le ballon est là, et ben là, Damos, tu prends le couloir. Comme ça, on peut jouer à l'opposé, et là, le décalage, il est fait. D'accord? Parce que nous, avec Anto, on va faire le taf pour que soit le latéral, soit leur 6 reviennent sur nous. Ils vont pas rester en 1 contre 1, je pense pas. Donc nous on va faire le taf pour qu'il y en ait un qui revienne en plus pour que le décalage puisse être fait. D'accord? Travail défensif il commence par Anto et moi. Bon après je vais être honnête, surtout par Anto. Il est en train de mettre la crème chauffante donc il va être bien chaud. Mais c'est surtout ça les gars. C'est pas dans le dos qu'il a mis là. J'essaie de soigner mes blessures de Manat. Manat il est passé par là. Pas dans l'arrêt Anto, ça brûle. Tu l'avais dit. Qu'on fasse ses efforts ensemble, les gars. Je vous le dis, je vous le répète, les gars, s'il y en a un qui monte, faire le pressing, c'est tout le monde qui va faire le pressing en même temps, c'est pas chacun notre tour. Sinon, on va se faire déborder, on va être mort, ça c'est sûr. Au milieu de terrain, parlez-vous bien, Mamat et Vincent, à pas partir tous les deux en même temps. Est-ce qu'il y en ait toujours un qui reste en place au cas où on perd la balle, qu'on soit en place, prêt à défendre, comme il faut. Manu, si tu vois que malheureusement les deux ils sont partis, essaye de pas être parti toi aussi. Malgré que tu dois être beaucoup plus haut qu'eux, mais ça arrive que tu viennes chercher le ballon en bas, donc si tu vois que ça part, eh ben tu restes en place à leur place. Tu en es toujours un tout trois, tu restes à leur place. Ah, c'est pas important rien. Ça. Non, toi tu restes à ta place. Marceau, il va te le rappeler tout le match et j'espère que je vais pas l'entendre. On monte, on monte. Là, tu montes, on monte. Non, on s'en fait de fort. Non, non.
Allez,
Rentre vite, Marco. Voilà, là. Allez, en place tout de suite, un joueur. Vous avez dû le voir les gars, on est passé à 4 derrière. Boule, ça serait bien que ça vienne de toi, que je sois pas obligé de penser à ça pendant le match. C'est compliqué de penser à ça pendant le match. Je pense que notre gros défaut les gars. Après j'incrimine pas les joueurs, hein, j'incrimine le placement. C'est là. Parce que eux en fait, ils jouent comme ça, à une pointe. Donc s'il va falloir qu'on fasse là, Mamat Nassim. C'est qu'en fait, on fasse ça, et qu'il y en a un qui monte un petit peu comme ça sur le 8 ou le 10. C'est le 8, je crois, qui est un petit peu plus bas que le 10. Le 8, ouais. Et le 6, il reste quasi toujours là, là, en place. Donc Anto va s'occuper du 6. Nassim, Mamad, vous arrangez 8, 10. Faut qu'on soit beaucoup plus près que ça, c'est eux qui font tout le jeu, les gars. Le gros problème qu'on a, hormis ce défaut-là, là, qui était un gros défaut, je pense, c'est que tout là... Et je redis bien, j'incrimine pas les joueurs, hein, parce qu'on a changé de dispositif. C'est que notre marquage, on le fait comme ça. On est à 10 mètres, que ce soit là, 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 c'est pareil. On est à 10 mètres, les gars. Je sais, c'est pas facile. Changer de dispositif comme ça pendant le match, après ça a été réclamé. Donc on l'a fait. Je sais que c'est pas facile, mais là, le problème qu'il y a, et Damos, il vient de vous le dire, il vient de nous le dire, faut que je me mette dedans, je suis plus coach. C'est qu'il faut qu'on ait au charbon les gars, faut qu'on le veuille le ballon. On est trop loin, on est trop laxiste, ils ont le temps de contrôler, de se retourner avant qu'on arrive. Faut qu'on colle nos bonhommes, on va faire à l'ancienne, on va faire du marquage individuel. Les gars, ils restent dans leur zone, donc c'est possible de le faire. Il n'y a que 8-10 qui bougent. Mais ça reste plus ou moins dans la même zone, donc faut qu'on discute à mort. C'est juste ça là. Là, dès qu'on a le ballon, maintenant ça va être un petit peu moins peut-être, mais on peut le faire encore. Avancez un petit peu les gars avant de balancer. Marquis, tu l'as fait chevaler. Un moment, pourquoi tu mets la balle dans le coin là? Je sais pas, j'ai pas. Y'a pas d'appel, y'a rien. Et bah, tu repars derrière. Ouais, on repart avec Marvin, on garde la balle et puis on repart. Faut qu'on joue plus vite. Ouais. Contrôle, contrôle. On pousse sa balle, on repousse, on fait demi-tour. Et après, on fait la passe. Les gars, faut qu'on enchaîne plus vite que ça. On fait comment pour marquer là? Une balle sur le côté, on centre. Centre foiré, Damos, il a armé bien. Et puis après, y'a but. C'est pourquoi? C'est parce qu'on a joué rapide. Damos, il s'est retourné, il a donné hors très direct. Dès qu'on joue un tout petit peu plus vite, les gars, on est plus rapide qu'eux. Donc il va falloir qu'on mette de la vitesse dans notre jeu, il va falloir qu'on mette de l'impact physique dans notre jeu, et puis bah, il va falloir qu'on aille au charbon, les gars. Il y en a combien? Il y en a 4, là? Ouais. De l'envie, les gars, de l'envie, ensemble, putain. C'est juste ça, les gars. Dès le deuxième but, on a fait... On a baissé la tête. Ouais, bah non, mais il n'est pas question qu'on baisse la tête. Hein. C'est pour des guignols, là. Je pense qu'on n'a pas bien compris une chose, les gars. On est monteur des deux, on joue le maintien. Quand on joue un maintien, c'est des guerriers sur le terrain. Bah, allez. Non mais regarde, on va pas mis aucun impact, même pas un coup d'épaule, rien. Eh, on joue le maintien. Faut mettre les piles. C'est maintenant, hein. Ça sera pas les trois derniers matchs, hein. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on ait pour objectif de gagner cette deuxième mi-temps.
Si on revient, tant mieux. Mais au moins qu'on gagne cette deuxième mi-temps, qu'on fasse bonne figure. Parce que là, je pense que... ce qui se passe là, sur le trépied, là, ça doit être très très moche, les gars. Sauf les deux, trois petites occasions qu'on s'est créées. On a réussi à se faire, des centres. Sauf que... Ce qu'on a oublié un petit peu, et c'en est un parti de la faute des offensifs, et je me mets dedans, c'est l'appel qui déclenche la passe, hein, c'est pas la passe qui déclenche l'appel. Si vous faites la passe qu'on a arrêté, les gars, c'est sûr, le ballon est perdu. Ouais. Donc si vous voyez qu'on n'est pas en mouvement, et ben on repart derrière, on s'en fout, mais on garde la balle. On repart à Marceau, on repart à Marquis. Si on est loin, et ben on repart à Marmine. Mais on garde la balle. On les fait courir. Et on met de l'impact. Allez là, faut lever la tête les gars là. Allez là. Allez, un nouveau match qui commence, allez. Maintenant. Ressort. Deux les gars, pas deux. Gauche, masse, ouvre, reste debout. Attends,
Voilà, pété. Ah, marqué, marqué. Alors, j'ai le 10. J'ai le ballon. Déjà, premièrement, je pense qu'il va falloir arrêter d'aller prendre sa douche avant de machin truc. La date fait comme tout le monde, t'attends la fin du match avec nous. On est tous dans la même merde. Je sais pas combien qu'il y en a, j'ai arrêté de compter parce que ça me saoulait. Mais les gars, je vous le dis maintenant, il va falloir qu'on travaille et puis qu'on gagne en charbon un petit peu là. Parce que là, c'est pas normal de prendre une volée comme ça. Là. On met 1-0, on en prend 7, 8, je sais même pas combien qu'il y a. 7. Mais sérieux ou pas, les gars? Les gars, arrive un moment, il va falloir arrêter de conneries un petit peu là. On va pas y arriver les gars, si on a cet état d'esprit là les gars, on va pas y arriver, je vous le dis maintenant. On va prendre valise sur valise, ça c'est clair. Je pense que si on prend valise sur valise, je pense que le nerf il va vite monter. Et à mon avis on va passer une saison de merde. Il va pas monter forcément de moi, ça va monter d'autres personnes je pense. Donc arrive un moment, il va peut-être falloir qu'on se sorte les doigts du cul, qu'on travaille à l'entraînement. On apprend. Et puis que. Mais ouais, y'a que deux matchs, les gars, y'a que deux matchs. Hein. On apprend, c'est l'armée. C'est, hein. C'est maintenant que l'état d'esprit. Mais voilà, faut qu'on commence ensemble par contre. Hein. C'est l'état d'esprit qui est pas bon, les gars, là. Faut y aller au charbon. Hein. Allez, bonne douche. À jeudi.